sais-tu danser la craque? Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous connaissez Capoeira? Bon, ça tombe bien, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sorry, this talk will be in French, so do not hesitate to ask questions at the end of this talk and come see us if you have any question. Merci Johanna. Donc je vais vous présenter déjà ce premier slide. En haut à gauche, vous pouvez noter un QR code que vous pouvez scanner à tout moment pour récupérer les ressources de cette présentation. Il y aura une démo à la fin que vous pourrez également reproduire chez vous grâce à toutes les ressources qui sont publiées à cette adresse. Donc on va parler de Capoeira. Capoeira, c'est un outil de test d'intégration dans le monde Kafka. Donc on fera des rappels sur Kafka. Mais effectivement, le principal prérequis, c'est connaître un petit peu la cité de la peur et les nuls. Donc on verra si c'est ou non nécessaire pour la suite de cette présentation. On va d'abord se présenter. Donc, je m'appelle Johanna Vauchel. Aujourd'hui, je suis data ingénieure dans l'entreprise Electra. On va vous en parler un petit peu après. Et je suis aussi speaker depuis l'année dernière. Et je suis très contente d'être aujourd'hui devant vous pour Scala.io. Pour ma part, je m'appelle Mehdi Rebier. Donc, je suis tech lead et data ingénieur chez Electra, dans la même équipe que Johanna. Et donc, Electra, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui connaît Electra à l'open source? Eh oui. D'abord, quelques rappels sur Electra, donc notre entreprise. Donc, elle est basée à Cestas, donc près de Bordeaux. On est une entreprise qui réalise différents équipements connectés, des logiciels adaptés, de la data analyse, des services, et tout ça dans le monde du textile. On réalise des machines de découpe de tissus. Et ces machines sont connectées et offrent de nombreux services. Donc les secteurs concernés par nos machines, eh bien, il y a l'ameublement, l'automobile et la mode. Et donc par rapport à l'open source, donc Electra s'est mis à l'open source récemment. On est membre du cluster Naos. Naos, c'est Nouvelle-Aquitaine Open Source. On est partenaire d'un projet open source Hermin, qui est un outil qui vérifie les licences open source. On a créé notre compte GitHub et Docker Hub récemment également, donc vous pourrez y retrouver évidemment le projet Capoeira. À la fin de ce talk, avec quoi vous allez repartir? Donc déjà, on va vous faire découvrir ce nouvel outil qui s'appelle Capoeira, qui va sans doute vous permettre de tester vos Kafka Streams. On espère que cet outil sera un peu plus qu'un outil de test, mais carrément un outil de communication qui vous aidera dans votre vie de tous les jours, que vous soyez PO, dev ou ingénieur QA. On vous donnera des astuces et des conseils pour l'utiliser tous les jours. On vous fera une super démo qu'on a nommée le Burger Quiz. J'espère que vous êtes impatients. Mais le principal, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous repartirez avec le sourire. D'abord, revenons à Capoeira, l'histoire. Tout a commencé par nos cutters connectés. Donc, comme je disais, Electra fabrique ce type de machines, donc de grosses machines de découpe de tissus. Et on en a des milliers vendus chez nos clients, enfin qui sont installés chez nos clients, donc il y en a des milliers aux quatre coins du monde. Et chaque cutter émet en permanence des milliers d'événements. Donc on en collecte des millions tous les jours. Et oui, des millions. On a parlé de Kafka, donc quelques petits rappels. Kafka, donc c'est une plateforme, on va dire un incontournable du monde de la big data, traitement de données. On a des concepts de producer. Donc, c'est quoi un producer? C'est un applicatif qui va envoyer de la donnée vers Kafka. Un consumer, qui est un applicatif qui va consommer de la donnée de Kafka pour en faire quelque chose. Des connecteurs, comme des interactions avec des bases de données. Et la brique qui va nous intéresser, la stream processor sur ce slide, donc nous on va plutôt appeler des Kafka Stream, ce sont des applicatifs qui ont à la fois le rôle de producteur et consommateur et qui vont faire des traitements en temps réel de cette donnée. Et donc si on met en lumière par rapport au use case de Electra, nos cutters connectés émettent en permanence leurs données dans un cluster Kafka. Donc là le petit logo que vous voyez apparaître ici, c'est ce qu'on appelle un topic Kafka, dans le vocabulaire de Kafka. Un topic, je vais l'assimiler à un gros fichier de log. Donc on va y mettre plein de données. On peut être plusieurs à écrire en même temps dans ce fichier et plusieurs à lire en même temps.
Et donc, on va concevoir ce qu'on appelle un data pipeline. Donc, c'est un enchaînement de plusieurs Kafka streams, plusieurs petites briques qui vont venir lire la donnée, la transformer, puis ensuite la déverser dans un autre topic. Et une chaîne de Kafka stream est constituée afin, à la fin, d'avoir une donnée complétée, nettoyée, agrégée, pour à la fin être stockée dans une base de données, par exemple, pour servir des applicatifs. Et bien sûr, nous sommes parfaits, c'est évident. Notre pipeline de données est parfaite. Il n'y a jamais d'erreur dans nos données, jamais d'anomalie. En plus, on pense toujours à tous les cas quand on code, c'est bien connu. Du coup, il n'y a jamais de bug. Hop, 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 tu bluffes, Martoni. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a de très nombreuses situations où des bugs peuvent intervenir. Et je vous ai montré une data pipeline, donc tout s'enchaîne, c'est super, quand ça se passe bien. Il suffit d'une seule erreur pour que cette donnée erronée soit propagée dans toute la data pipeline. C'est vrai, j'ai bluffé. Et en plus, quand ça arrive, là, c'est une vraie boucherie. On s'en rend compte souvent trop tard, c'est-à-dire après le client. Et en plus, pour corriger, c'est souvent un peu compliqué. Bon, du coup, c'est quoi la solution, Cara ? Eh bien, c'est très facile. On va faire des tests de nos Kafka streams. Et c'est déjà disponible, prêt sur l'étagère proposée par Confluent. Ça s'appelle Topology Test Driver. C'est rapide, c'est efficace. Pas cher. C'est pas cher. Et c'est écrit en Scala, c'est très bien. C'est très facile. Donc voici un premier exemple de Topology Test Driver. Comment ça se représente ? Donc on définit une classe de test, comme un simple test unitaire. On va instancier un driver qui va moquer une infra Kafka. On va définir ce qu'on appelle la topologie. Donc, je vous ai dit qu'un Kafka stream, ça prend un ou n topics en entrée et un ou n topics en sortie. Donc là, dans l'exemple simple, j'ai un topic d'entrée qui est typé par une clé et une valeur. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans chaque topic Kafka, on donne une donnée toujours avec une clé et une valeur. Donc là, on va définir le type de la clé. La clé sera en string et la value sera en string, à la fois pour l'entrée et pour la sortie. Et on définit un premier test unitaire, où on va donner envoyer de la donnée dans le topic d'entrée avec my key, my value, donc string dans les deux cas, et on va asserter la sortie du topic de sortie. Et ce topic de sortie, on a vu que la clé ne change pas, my key reste my key. En revanche, on suppose du coup que le Kafka stream qui est derrière ce test va ajouter un suffixe sur la value. My value devient my value avec ce suffixe. Donc voilà, notre test unitaire fonctionne. On a testé nos Kafka streams, on est content. On peut peut-être arrêter là. Je suis pas trop d'accord là. Attends. Parce que ta solution, ok, elle est pas mal, mais elle est pas parfaite. Premièrement, là, on travaille sur une infrastructure moquée. On va pas utiliser la vraie infrastructure avec le cluster Kafka. Donc, on peut pas vraiment faire ici des tests qu'on appelle d'intégration. Première chose. En plus, là, ça va permettre de tester unitairement chaque stream. Ok, c'est sympa. Mais comment je fais, moi, si je veux tester plusieurs streams à la fois ? Parce que des fois, on code un stream, on se dit on a pensé à tous les cas. Et puis, quand on met ça dans notre data pipeline, on n'a pas pensé que peut-être que le stream B il va envoyer tel type de données. Et du coup, les streams mis tous ensemble dans une data pipeline, ça va pas marcher comme on l'a pensé au début. Et puis, ce qui serait idéal, en plus de tester plusieurs streams, c'est carrément de pouvoir tester toute notre pipeline de données, c'est-à-dire de faire des tests qu'on appelle end-to-end, de bout en bout. Et enfin, même si j'aime beaucoup ce cas-là, là, on voit que c'est plutôt le genre de test qui s'adresse à des développeurs. Et nous, on cherche plutôt des tests que pourrait utiliser notre ingénieur QA et qui seraient même bien lisibles. Et pourquoi pas qui pourraient nous servir d'outils de communication. Parce que si c'est lisible par tous, qu'on soit QA, développeur ou PO, on pourrait peut-être s'en servir pour faire des tests d'acceptance. Donc si je résume, on a trouvé une technologie pour faire des tests de tests unitaires avec Topology Test Driver. Mais il nous manque une brique pour faire des tests d'intégration et des tests de bout en bout. Et en plus, il nous faut une syntaxe simple pour exprimer ces tests. Ouais, alors là, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à un outil qui existe déjà. Ça s'appelle Karate. Peut-être tu connais, ça permet de tester les API HTTP. Ça a été créé en 2017.
Et ça s'appuie sur une syntaxe simple, la syntaxe Gherkin, le fameux Given When Then. Moi, j'avais entendu parler de ça à BDXIO en 2018. C'était présenté par Nicolas Comet et Benoît Priou. On pourrait peut-être s'en inspirer, non ? Oui, c'est intéressant, mais là, on parle bien de test Kafka et pas de test HTTP. Et à ma connaissance, Karaté ne gère pas du Kafka. De plus, on veut tester donc nos Kafka streams. Et pour l'instant, on n'a pas l'outil qui permet de faire ça. Bon, bah, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a créé cet outil, d'où le nom Capoeira, parce que c'est fortement inspiré de Karaté. Et donc, on va vous présenter en exclusivité à Scala.io ce qu'est un test Capoeira. Donc, le voici. Donc, ça va être simplement un fichier texte tout simple. On va utiliser l'extension .feature. Et dans ce fichier texte, on va retrouver une certaine syntaxe. Premièrement, on va décrire, donc avec la syntaxe feature, quelle fonctionnalité on va vouloir tester. Alors, dans ce test, on a repris le même exemple qu'on vous a montré tout à l'heure avec le topology test driver. Donc, c'est le même test, mais à la sauce Capoeira. Dans la partie background, du coup, je vais retrouver la définition de ma topologie. On va commencer par définir tout ce qui était topic d'entrée, input topic. On va illustrer ça sous forme d'un tableau, parce qu'en vrai, on peut en avoir plusieurs. Je vais avoir donc le nom de mon topic, topic 1, et un alias. Ça permet de définir les noms de topics quand des fois c'est pas parlant ou alors c'est des noms très longs. Et en plus, je vais pouvoir préciser si c'est un topic d'entrée. Donc là, par exemple, on a aliasé ce topic, topic 1 in, et c'est ce nom-là qu'on utilisera ensuite dans notre test. On va préciser les typages de ce topic, donc le type de clé et de valeur. Donc ici, on a utilisé des strings, mais ça pourrait être du JSON ou de l'avro. Et on va préciser, pareil, nos topics de sortie, output topic, donc là c'est topic 2, donc pareil l'alias, topic 2 out, les typages, clés, valeurs. Et là, on va mettre 5, ça va être 5 secondes qu'on va donner à notre Kafka Stream pour faire son opération. Et ensuite, on va avoir un ou plusieurs scénarios, donc on va nommer notre scénario en première ligne. Ici, on n'en a qu'un. Et on retrouve donc la partie où on va produire la donnée. Donc on dit dans le topic 1, je m'attends à produire, je veux envoyer la donnée avec la clé myKey et la valeur myValue. Je m'attends à avoir dans le topic de sortie, topic 2, le message avec la clé myKey. Et le result, ça va être une variable, et on va faire une assertion sur cette variable, et on s'attend à ce que ça soit en sortie myValue, auquel on ajoute le suffixe suffixe. Et derrière, comment ça marche Capoeira ? On va reprendre un exemple très simple de Kafka Stream. Ici, prenons un Kafka Stream, donc qui a juste un seul topic d'entrée, un topic de sortie. Et dans le topic d'entrée, on va avoir, par exemple, simplement des lettres en minuscules. Et le travail de notre Kafka Stream, c'est simplement de le mettre en majuscules. Donc, dans notre topic de sortie, j'aurai bien chaque lettre mise en majuscules. Donc, disons qu'on veut tester ce Kafka Stream. Donc, ce que va faire Capoeira, il va donc produire de la donnée dans ce topic d'entrée. Admettons qu'on va produire un K minuscule dans ce topic d'entrée. Il y a le Kafka Stream qui va faire son opération, qui va mettre en majuscule. Et Capoeira va s'occuper du coup de consommer le topic de sortie et de faire une assertion pour vérifier si ma donnée est bien un K majuscule. Et il va générer un rapport pour dire si le test est OK ou KO. Et donc si on va plus en profondeur, comment ça marche derrière ? Capoeira, il va être capable de lire le fameux fichier feature dont on vous a parlé, puisque ça va être codé dans le langage Gherkin. On va utiliser le framework Cucumber Scala, parce qu'on aime beaucoup Scala, et Cucumber Scala est capable de lire du Gherkin, et donc va interpréter chaque ligne, et va donc s'occuper d'envoyer les commandes Scala pour produire la donnée dans le topic d'entrée, et pour la consommer. Et c'est encore Cucumber qui va nous permettre de produire un fameux rapport de test pour dire si chaque scénario est OK ou KO. Voilà le secret de Capoeira.
Donc, on va revenir maintenant sur l'historique. Donc, tout a commencé en 2020 chez Lectra. D'abord, un projet Inner Source, donc qui a été créé par Lectra, que pour Lectra. On a imaginé une première syntaxe extrêmement simple pour pouvoir travailler avec notre QA. Et on s'est basé sur une implémentation de Consumer Producer Kafka proposée par Confluent pour avoir une première version rapidement utilisable. Donc là, pour rappel, voilà les outils sur lesquels on s'est basé pour produire et consommer en Kafka. Ensuite, en 2020, on a amélioré notre outil en utilisant du code Scala, parce qu'on était plus à l'aise aussi, pour la partie Kafka Consumer et Producer. On a aussi amélioré notre syntaxe en demandant aussi de l'aide de notre QA, et notamment en utilisant des Gherkin Data Table. Donc ça nous a permis d'utiliser notamment des tableaux pour définir les topics d'entrée et les topics de sortie et rendre le test de plus en plus lisible. Ensuite, en 2021, on a utilisé en plus le framework Z.io. Ça nous a permis notamment d'améliorer fortement les performances. On a aussi ajouté le mode parallèle. Donc chaque scénario peut maintenant se lancer en parallèle. Donc on gagne encore en performance. Et on a aussi ajouté la fonctionnalité de pouvoir envoyer des lots de records. Ça permet notamment de tester des cas particuliers dans le cas où on a des streams avec des jointures. Et en 2023, donc on est vraiment très heureux de proposer cet outil à toute la communauté open source. J'en profite aussi pour remercier mon équipe et tous les contributeurs jusqu'ici qui ont permis de faire Capoeira ce qu'il est aujourd'hui. Donc Capoeira est dispo à les sources de Capoeira sont dispo à cette adresse sous GitHub. Et on a aussi l'image Docker qui est dispo à cette adresse. Et donc, si vous aussi, vous voulez utiliser Capoeira, vous avez simplement à taper ce petit Docker Run en précisant donc l'image Capoeira et quelques paramètres, comme par exemple où se trouvent vos fichiers features de vos tests Capoeira et où vous voulez retrouver le rapport du test. On a notamment Michelin qui a déjà utilisé Capoeira, qui nous a fait déjà de nombreux retours. On espère que parmi vous, il y aura d'autres utilisateurs. Mais pas seulement, on espère aussi recruter des contributeurs pour nous aider à améliorer cet outil et le rendre de plus en plus lisible et efficace. Passons maintenant à la démo tant attendue, le Burger Quiz. Ah, Burger Quiz, c'est parti. J'espère que vous êtes réveillés. Donc pour notre démo, on va utiliser une pipeline un peu plus simple que celle de Lectra. Donc on va imaginer une usine qui va réaliser un menu burger frites. Donc en fait, cette usine est composée de trois sous-usines, donc trois Kafka streams. Fries Factory, qui a pour but de créer des frites. Burger Factory, donc créer des hamburgers. Et Meal Factory, qui va assembler les deux précédents. Donc, tout ça va se baser sur un petit Docker Compose que j'ai sur ma machine. Donc, pour rappel, hein, toutes les ressources sont dispo sur GitHub, vous pouvez refaire la démo chez vous si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer, Je vais vous montrer donc le Docker Compose qui va refléter exactement ce que je viens de vous dire. On va retrouver, bon, certes, toute l'infra Kafka définie sur mon poste, je ne rentre pas dans le détail, mais on va surtout avoir les trois services, donc Fries Factory, Burger Factory, Meal Factory, qui sont trois services codés en Scala. Qui vont se baser sur notre broker Kafka défini ici. Et on va avoir derrière trois conteneurs Capoeira, un par Kafka Stream, un pour les fries, un pour burger et un pour faire des tests de bout en bout. Et si on regarde comment fonctionne Capoeira Fries, on se base bien pour lancer ce test Capoeira sur l'image officielle Capoeira. On va définir les volumes, donc pour savoir où se trouvent les features à exécuter, où est-ce qu'on va vouloir monter le volume pour les rapports, et on appelle bien le broker Kafka. Hop. Je reviens sur les slides. Et donc on va faire un premier exercice, c'est, on prend le cas très simple, un Kafka stream, un topic d'entrée, un topic de sortie. On va donc se focaliser sur comment faire des frites. Eh bien, c'est facile, en entrée, il nous faut une pomme de terre, et en sortie, on s'attend à voir, dans un topic de sortie appelé side dishes, avoir un cornet de frites.
Donc on va plutôt se jouer le jeu de, on est un product owner, ok, on a une première user story, eh bien notre PO va nous exprimer, en tant que cuisinier, si étant donné mon usine de frites, si jamais dans mon topic d'entrée, j'ai une pomme de terre, je m'attends à voir en sortie un cornet de frites. Comment exprimer cette user story en Capoeira? Donc, on va vous montrer ça. Donc, la voici. Hop. On va commencer par la première. Donc, on va retrouver comme ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est bon, c'est assez gros. Oui, je pense c'est assez gros. On va retrouver ce qu'on appelle le background. Donc, dans notre fichier feature, on va définir là la topologie, à savoir le topic d'entrée potato, qu'on a aliasé potato in. Donc, c'est du string string. Un topic de sortie, side dishes, aliasé side dishes out, toujours string string en sortie, et on laisse 5 secondes pour que le Kafka Stream fasse son travail. Et notre premier scénario nominal, qui reflète ce qu'a demandé notre product owner, si jamais en tant que cuisinier, le cuisinier est ici la clé du message envoyé dans Kafka, avec ce cuisinier, si j'envoie une pomme de terre, eh bien je m'attends à voir en sortie, pour ce même cuisinier, un alias result, et on l'asserte ici, avec une syntaxe JSON pass, eh bien, je m'attends à avoir un cornet de frites. Donc, si je réexécute le test Capoeira que de ce scénario, hop là, voilà. Donc là, il redémarre mon scénario Capoeira sur les fries. Donc, hop, je vais voir ici les rapports qui sont générés par rapport à Capoeira. Donc, c'est en Fries Factory. OK, 5h03, j'ai pas triché. Voilà, j'ai bien un résultat qui est en succès. Et on retrouve exactement ce que j'ai défini dans mon fichier .feature, donc le background, on revoit bien le topic d'entrée, le topic de sortie, et on voit avec les petites coches vertes eh bien, que le scénario s'est réalisé avec succès. On a bien une pomme de terre qui s'est transformée en frites. Et vous voyez, à côté, j'ai fait d'autres scénarios qui reflètent d'autres cas de figure qui n'ont pas été exprimés par notre product owner. Que se passe-t-il si jamais j'envoie autre chose qu'une pomme de terre? Bon, imaginons un brocoli. Bon, c'est assez rare d'en trouver dans les fast-foods, mais que se passe-t-il? Ben là, on a fait le choix, côté dev, que le Kafka Stream, si jamais il a autre chose qu'une pomme de terre, eh bien, il ne transforme pas la donnée, il la renvoie telle qu'elle. Donc, on s'attend à ce que le brocoli reste brocoli. Vous avez vu, j'ai mis un autre cuisinier, ce n'est pas le même. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je m'amuse à mettre le même cuisinier? Je vais faire le test. Je vais mettre le même cuisinier ici. Hop là. Et là, c'est la partie interactive. Est-ce qu'à votre avis, le test va passer ou pas? Je relance le test. Qui pense que le test va passer? Ok. Donc, qui pense que ça ne va pas passer? Ok. Ah. Eh bien, ça ne passe pas. Parce qu'un brocoli n'est pas une frite. Vous êtes d'accord sur ça, je pense? Ouais. En fait, ce qui se passe, je ne sais pas si vous sentez ce qui s'est passé, là, c'est le scénario nominal qui a échoué et l'alternative a fonctionné. Mais en fait, si je relance 10 fois le scénario, peut-être que c'est l'inverse qui va se produire. On a un seul topic Kafka et on a 2 producteurs. En fait, chaque scénario est indépendant. Les messages sont exécutés en parallèle, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc potentiellement, la patate de l'hôte a été consommée par le consumeur de l'autre test. Donc en gros, les deux se sont chevauchés. Et le brocoli du test alternatif est arrivé dans le scénario nominal. Donc c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que j'avais mis un autre cuisinier, moi, pour pas que ça casse. Mais c'est quand même pas très satisfaisant. Donc pour que Capoeira puisse lancer plein de tests en parallèle, plutôt que d'avoir des clés toujours à définir nous-mêmes de façon unique, on a proposé une petite fonction avec un petit UID et on peut tout simplement suffixer le cuisinier avec un UID comme ça. On est sûr que chaque test est bien indépendant. C'est une bonne pratique, hein. Chaque scénario doit être indépendant. Donc si je relance mon test Capoeira, hop là, voilà. C'est le temps que ça se réexécute. Voilà, donc le test est repassé vert. Donc on a bien la patate, le cornet de frites, le brocoli reste brocoli, l'UID, ça fait comme ce qu'on veut. Dernière feature qu'on n'a pas abordée, c'est le fait d'utiliser un fichier. Parce que là, depuis le début, je mets toujours les données dans mon fichier .feature, mais dans la vraie vie, on va plutôt envoyer des grosses données de type JSON, voire même plusieurs lignes de JSON. Donc on a pensé à cette syntaxe-là, on va pouvoir lire le contenu à émettre depuis un fichier. Hop, donc là j'ai créé un fichier potatoes que je vais retrouver ici.
Car oui, je peux envoyer une fois 1000 patates, enfin en l'occurrence plutôt une fois 4 patates, et une fois que c'est émis, hop, je peux consommer 4 fois ce topic de sortie et asserter que chaque record est devenu un cornet de frites. Donc, voici notre première aventure. Bravo. Burger Quiz. Donc là, le scénario que je vous ai montré, il dit qu'il ne voit pas le rapport. On a vu le rapport. On a vu le rapport. C'est bon. Je laisse la main à Johanna pour le burger. Alors, oui, parce qu'on a les frites, mais on a très faim, donc il nous faut des burgers. Donc, passons au deuxième exemple. Donc, pour notre stream de Burger Factory, je vais avoir besoin d'entrer de 3 topics. Un topic bread pour le pain, un topic vegetable pour les légumes et un topic meat pour la viande. Et donc, je m'attends à avoir en sortie un délicieux burger. Donc, si on regarde l'attendu du PO, en tant que cuisinier et étant donné ma Burger Factory, si j'envoie les ingrédients suivants, du pain, une tomate et de la viande, bœuf, poulet, poisson, je m'attends à avoir en sortie un délicieux hamburger. Comment on va écrire ça en test capoeira? Oups. Burger. Donc, je vais retrouver, comme tout à l'heure, ma topologie dans le background. La seule différence, c'est que j'ai 3 topics en entrée. Bread, vegetable et meat. Et un topic en sortie. Et donc, petite précision, la fonction qu'on a vue tout à l'heure, le UID pour avoir un identifiant unique, je peux le factoriser et l'appeler dans mon background. Et en fait, ce qu'il y a dans le background, ça sera appelé avant chaque scénario. Ce qui fait que j'aurai bien un identifiant unique pour chaque scénario. Mais je fais mon appel qu'une seule fois. Et ici, on va changer pour vous montrer notre fonctionnalité. On va décrire un scénario outline. On appelle ça aussi un scénario template, puisqu'on va faire un template de test. Et au final, on va pouvoir lancer plusieurs scénarios à la fois, mais on va en écrire qu'un seul, puisqu'on va utiliser des variables. Donc, vous allez voir... Ici, dans la partie input, donc si j'envoie dans mes topics d'entrée, donc bread, vegetable et meat, je vais envoyer du pain, légumes et viande, mais je vais envoyer ça sous forme de variable. Je mets mes variables donc avec les petits crochets. Et je m'attends en sortie à avoir un burger que, pareil, je mets dans une variable. Et finalement, l'étendue fonctionnelle de mes tests, je vais mettre ça sous forme de tableau. Et en fait, chaque variable ici, ça va être remplacé par ce qu'il y a dans mon tableau. Donc, chaque ligne ici, ça va être un scénario. Dans le premier scénario, je vais envoyer du pain, de la tomate, du bœuf, et je m'attends à avoir un burger. Dans le deuxième, je vais faire la même chose, mais avec du poulet. Je m'attends à avoir un burger, chicken burger. Ensuite, j'envoie la même chose avec du poisson. J'ai toujours un burger. Et là, on veut faire le test un peu alternatif, c'est-à-dire qu'on envoie une carotte. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté du burger avec une carotte, moi non. Donc, on a dit qu'on n'allait pas faire de burger, parce que ce n'était pas précisé par le PO, et on envoie chaque élément séparé par un plus. Donc, si hop, je veux voir le résultat de ce test, le rapport, donc on retrouve bien tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Et donc, je vais retrouver chaque ligne pour chaque scénario. Donc, chaque scénario va bien être lancé. Et j'ai la coche pour savoir si tout s'est bien passé. Là, c'est bon. Et oui, et donc, dernier cas pour illustrer, ça va être le test end-to-end. Donc, tout à l'heure, on vous a décrit la pipeline de données avec les Fries Factory, le Burger Factory. On va rajouter le Meal Factory pour faire un menu burger. Donc, si on retrouve notre user story, en tant que cuisinier et étant donné ma burger quiz pipeline, si j'envoie les ingrédients suivants, du pain, de la tomate, de la viande et une pomme de terre, je m'attends à avoir en sortie un délicieux menu burger frites. Donc, on va passer directement au rapport. Donc, ici, remarquez que j'ai uniquement mes topics d'entrée. Je vais avoir potato, bread, vegetable et meat. Je ne vais pas avoir side dishes. Donc, je déclare que mes topics en début de pipeline. Je déclare mon topic en fin, donc le meal, le topic de meal et meal.
Et je m'attends à avoir. Donc, je fais également un test template. Et finalement, l'étendue de mon test, il va être dans le tableau example. Donc, si j'envoie ma potato, mon pain, ma tomate et ma viande, je m'attends bien à avoir un menu burger frites. Et si j'envoie ma fameuse carotte, là, je retrouve bien les éléments séparés par un plus. Mais j'ai quand même ma pomme de terre qui s'est transformée en cornet de frites. Voilà pour la démo. Donc là, on a fait exprès d'avoir un scénario assez simple, mais sachez qu'il y a plein d'autres fonctionnalités proposées par Capoeira, comme par exemple le traitement de format Avro ou JSON Schema. On sait que Avro est très utilisé dans le monde Kafka, donc on peut définir en plus dans notre background, on peut définir ce qu'on appelle des subjects. Le subject permet de définir dans un Kafka schéma registry, eh bien, un annuaire de format de données qui peuvent ensuite être émis dans un test Capoeira. On peut aussi faire des JSON pass plus avancés. Donc là, on n'avait que des emojis à asserter, donc c'était assez facile, mais on peut très bien imaginer qu'un objet possède des sous-éléments. Donc là, on a. Hop, si je zoome un peu plutôt. Hop. Avec l'aide du JSON pass, on peut très bien imaginer un sous-objet fou, un parcours de tableau, faire des match objects avec des objets JSON. Voilà. Bon. On peut imaginer plusieurs types d'assertions plus avancées. On gère également des headers Kafka. Comme en HTTP, Kafka propose des headers. Donc Capoeira propose d'émettre et d'insérer des headers Kafka. On peut aussi appeler des scripts externes, ce que je vous ai montré, les call functions avec l'UID, mais il y a d'autres fonctions proposées en natif, et également la capacité d'appeler des scripts à vous, donc des scripts bash, du Python, du Docker même. Donc il n'y a pas trop de limites là-dessus. Et on peut aussi traiter des load records, comme l'a dit Johanna, pour faire des traitements sur des cas de jointure. Bon, je vous laisserai voir la documentation pour plus d'informations. Donc, après cette démo Burger Quiz fortement calorique, on vous propose un petit digestif, un retour de notre expérience. Donc, déjà, pour dire qu'on est une communauté déjà dans notre entreprise à utiliser Capora, on est plusieurs équipes à l'utiliser, à s'entraider et à améliorer l'outil. On essaye aussi d'utiliser l'outil quand on conçoit nos user stories pour l'utiliser en tant que test d'acceptance et se mettre d'accord avant chaque développement sur l'attendu des streams. Et voilà, donc ça va être nos tests d'acceptance ou de spécification. Et on aime beaucoup Capoeira parce que c'est vraiment facile pour notre ingénieur QA de créer ces tests, de les enrichir et de décrire tous ces cas de tests. Et on utilise aussi Capoeira pour nos tests end-to-end. Donc en résumé, que des avantages, et là on ne bluffe pas cette fois-ci. Donc on fait des tests sur une vraie infra Kafka, pas une infra moquée. On a des tests qu'on juge simples à écrire et à maintenir. On a un outil qui nous permet de faire de la communication entre tous les profils sur un projet. Des tests qui sont sous Git et qui servent de documentation et qui servent d'acceptance pour nos user stories. Bon, donc Banco, on vend la caravane, vous nous dites, vous voulez l'utiliser, j'espère qu'on vous a convaincu. On espère qu'on vous a convaincu de l'utiliser, mais peut-être aussi de contribuer. Donc si c'est le cas, on vous a mis le lien ici. Voilà, vous allez retrouver les sources aussi à la fin de la présentation. N'hésitez pas à contribuer, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez justement des conseils, des remarques. On est débutant dans l'open source, donc voilà, on est ouvert aux conseils, aux remarques et. D'ailleurs, encore merci à Michelin pour les premiers retours qu'ils nous ont faits, qui nous ont aidés à améliorer l'outil déjà. Donc merci à eux et merci à vous de potentiellement également nous aider à améliorer l'outil. Merci à toutes et tous. Cet affreux cauchemar est maintenant terminé. Avant de partir, quelques infos. Alors, ce QR code là-bas pour retrouver les slides de la présentation et les ressources, les vidéos s'il y a besoin. On vous a mis donc l'endroit où vous retrouvez les sources de Capoeira. On vous a mis nos pages GitHub si vous voulez nous contacter, avoir des infos sur nous. Et puis si vous êtes sympa pour nous faire un petit retour via ce QR code, c'est Open Feedback pour que vous nous fassiez des retours sur cette présentation pour qu'on puisse s'améliorer quand on redonnera ce talk. Voilà.
Merci beaucoup. On va se quitter en musique, évidemment. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Merci à vous. On a du temps pour les questions. Merci beaucoup. Moi, je suis pas du tout familier avec Gherkin. Et en fait, le langage que vous avez montré, c'est vous qui l'avez développé, ou alors c'est un langage standard que tout le monde a l'habitude d'utiliser? Alors Gherkin, c'est effectivement un langage standard avec les mots-clés given, when, then. Okay. Ça, c'est ça qui est standard. Et après, tout ce qui est derrière, c'est nous qui avons défini ce DSL. Okay. Et on a essayé de faire le moins de mots possible avec les data tables, comme tu as montré, Johanna, pour que ce soit le plus simplement utilisable, pour pas qu'il y ait trop de verbosité dans l'expression du langage. Mais voilà, Gherkin propose de définir ce given, when, then, et Cucumber de le parser pour toi. Ok. Et alors, la question que j'ai au niveau des data tables, je trouve ça effectivement hyper lisible quand il n'y a pas d'entrée, mais comment vous donnez du sens à chaque cellule? C'est genre hard-codé? Ouais, parce que j'ai l'impression que parfois il y a des choses qui sont genre le result qui est extrait, parfois il y a des informations qui ont l'air d'être des chaînes de caractères, et je vois, mais parce que je connais pas du tout, hein, je vois pas du tout comment en fait en tant qu'utilisateur on les définit. Donc est-ce que c'est votre interpréteur qui gère ça, quoi? Attends, j'essaie de retrouver un test. C'est pour la partie result surtout ta question? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les colonnes ont l'air statiques en fait. Oui, parce que result, ça peut être un JSON, par exemple. Mm-hmm. Et pour ça, du coup, c'est la fonctionnalité de JSON pass que tu peux peut-être remontrer. Oui. Hop. Donc là, par exemple, si notre... mon result s'appelle evalue. Value ou result, peu importe, c'est juste une variable. Et là, on peut faire des assertions si jamais c'est un JSON complet. Donc soit un match object, soit dire pour telle clé JSON, je m'attends à avoir telle valeur. Mais result n'est pas hardcodé, hein. C'est nous qui avons défini un nom d'alias de retour. Parce qu'on voulait pas, on savait que l'assertion allait être nécessaire, et donc on a autant la production, on pouvait mettre la donnée quand on produit, mais quand on l'asserte, on définit de suite un alias pour savoir sur quoi on va pouvoir asserter. Magnifique, merci beaucoup. Ça répond à ta question. Merci. Tout à fait. Okay. Merci. Du coup, une toute petite question. Chez Lectra, vous utilisez des outils type Allure ou autre pour consommer les rapports d'exécution Cucumber et les mettre à disposition de votre circuit qualité et ownership? Alors, on a d'autres outillages pour cette partie-là. De mémoire, c'est l'outil TestTrail qu'on utilise pour cartographier nos tests. Parce que là, on parle de notre outillage test orienté data, mais on a d'autres tests d'intégration plus orientés IHM et autres. Donc, ouais, on a des outils d'agrégation. Et comme Cucumber, d'ailleurs, c'est un format JUnit qui est exploitable. Là, je vous ai montré le HTML qui est généré. Mais évidemment, on génère aussi du JSON, du XML. C'est des choses qu'on peut injecter ailleurs et avoir des agrégations de rapports de tests. Donc concrètement, Capoeira s'intègre complètement dans la chaîne de... Oui. Dans la chaîne de comment dire, De quality. De gestion de la preuve de l'exécution, oui. Et de l'état de l'exécution. Exactement, de oui. Ouais. Oui. Merci. Merci. C'est bon, vous avez tous faim pour des burgers? Ah, encore une question là. Oui, vous avez dit un moment qu'on peut envoyer une fois 1000 patates. Mais on ne peut pas. 1000 fois une patate. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on envoie 1000 fois 1000 patates? Très bonne question. Merci et bravo d'avoir réussi à la poser aussi. Avec les tests, justement, outline, je pense qu'on est capable de. D'envoyer 1000 fois 1000 patates. Oui. Oui, parce que si on a un fichier avec 1000 patates et qu'on met 1000 entrées à notre tableau qui envoie ce fichier, je pense que ça peut marcher. Mais je n'ai pas testé, c'est une très bonne question. Après, c'est plus un test très fonctionnel d'envoyer 1000 patates. On est bon? N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, on est là encore demain. Peut-être encore une question devant? Oui, on a le temps.
je répète ma question. Est-ce que l'outil Capera a des limitations, notamment sur le test de concept alors je pense notamment à tout ce qui est consume, produce only once. Être sûr que dans notre scénario end-to-end, on est en capacité par exemple, reproduire quelque chose qui a été consommé une fois et de le reproduire qu'une seule fois, par exemple. Là, clairement, on n'a pas travaillé plus que ça, ce type de complexité de sujet. Je préfère ne pas dire de bêtises. Donc là, on est resté assez, je pense, au premier niveau sur ce type de test, mais on n'a pas creusé plus que ça. Ouais, c'est plus pour vocation de test orienté métier que technique. On n'a pas utilisé dans ce sens-là. Je pense notamment à ça parce que ça peut, la duplication de données peut être également un problème métier. Oui, effectivement. Là, derrière, ce qu'on fait concrètement, peut-être pour illustrer, tous nos tests sont avec des UID. En fait, on émet toujours tous nos tests de façon très unique pour s'assurer de ne jamais être en interférence avec d'autres scénarios en même temps sur les mêmes topics. Donc, voilà. Donc on n'a pas fait de tests explicites pour s'assurer qu'on n'a pas eu des doublons ou des rejeux. Non. Et je pense que je serais intéressé que tu détailles un peu plus après, si tu veux, cette présentation, ton use case, pour voir si on peut ou non l'adresser dans Capoeira. Merci. Oui, j'aurais une question. Dans certains cas, avec Kafka, c'est possible d'envoyer des événements avec sans clé, et à ce moment-là, Kafka, il assigne une clé arbitraire pour dispatcher. Oui. Est-ce que c'est possible de gérer ça dans votre système en disant « j'envoie avec une clé nulle » ou pas de clé, et de demander « j'attends un message sur n'importe quelle clé en topic de sortie ». Alors je crois qu'aujourd'hui on gère que des clés, je crois même que les clés nulles ne sont pas gérées. Ouais, ça fait partie des limitations qu'on aimerait adresser. Ouais. Donc il faut une stratégie de clés. Exactement. Ouais, très précise. C'est mieux. Effectivement, dans cette première version, on a explicitement exigé une clé à la production et à la consommation. Alors je crois qu'on peut peut-être produire sans clé, mais après du coup, en fait on avait besoin d'avoir une clé formelle explicitée à l'entrée pour pouvoir l'asserter et ne garder que les records qui avaient ces clés. Parce que potentiellement, les topics de sortie vivent leur vie. Il y a plein de choses qui arrivent dedans. On ne voulait pas être lié à trop de volumétrie. Donc, on ne lit que les clés que l'on maîtrise dans Capoeira. Donc, non, on n'a pas à gérer encore ce type de cas de figure. D'accord. C'est bon ? Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup.